Monsieur, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Nous allons commencer tout de suite notre tournée avec la visite actuelle du président de Fattah el-Sissi en France. Le président français Emmanuel Macron avait organisé dans la soirée d'hier un banquet de dîner en l'honneur du président Abdel Fattah el-Sissi. Le président el-Sissi a salué l'accueil chaleureux du président de son homologue français Emmanuel Macron, témoignant de la profondeur des relations entre les deux pays. Le chef d'État égyptien a insisté sur l'importance d'une collaboration entre les deux pays pour mieux ancrer les principes de la tolérance, de la modération, de la réconciliation et également de l'acceptation de l'autre. Les deux présidents ont affiché leur convergence sur plusieurs grands enjeux de sécurité régionale, de la lutte contre le terrorisme à la crise libyenne, en passant par les rivalités avec la Turquie en Méditerranée orientale, et également ont affiché un front commun contre les comportements d'Ankara. Le président Sisi et son homologue Emmanuel Macron ont tenu ensuite une conférence de presse conjointe. Plus de détails à travers ce commentaire signé Marwa Arafa et Shamsni. Le président Abdel Fattah el-Sissi a assuré que sa visite en France ouvre la voie à l'échange profond des visions et la coordination des positions vis-à-vis des différentes questions d'intérêt commun. Dans le cadre de sa visite, le président el-Sissi a tenu un sommet avec son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Au menu du sommet, la discussion d'un certain nombre de questions et de dossiers régionaux et internationaux, et notamment le dossier libyen, la cause palestinienne, les défis au Moyen-Orient et à la Méditerranée orientale, ainsi que les moyens de faire face à l'immigration clandestine. Les deux leaders ont ainsi examiné les dossiers au niveau des relations bilatérales et les moyens d'accroître les investissements français en Égypte. À l'issue du sommet, les deux dirigeants ont tenu une conférence de presse. Le président el-Sissi a affirmé qu'ils ont discuté des moyens de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et le renforcement des valeurs de tolérance entre les différentes religions et cultures. Le président el-Sissi a affirmé qu'il avait examiné avec le président Macron les moyens de coopération militaire et les moyens de renforcer la coopération économique. Le président français a de son côté indiqué que le partenariat stratégique avec l'Égypte est une nécessité urgente, et ce pour maintenir la stabilité au Moyen-Orient et dans la région de la Méditerranée orientale. Concernant le dossier des droits de l'homme, Emmanuel Macron a confirmé que la France n'imposait aucune restriction sur les échanges militaires avec l'Égypte, tout en soulignant que la France ne pourrait jamais imposer sa vision sur ce sujet sur l'Égypte. Quant aux caricatures offensantes sur l'islam, le président français a affirmé qu'en France, les droits de journalisme et la liberté d'expression sont protégés par des lois depuis la création de la République française et que le président de la République ne pouvait pas intervenir au sujet des caricatures. Toujours au cours de sa visite à Paris, le président de Fattah el-Sissi s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, au siège du Quai d'Orsay. Et le président el-Sissi s'était entretenu également avec la ministre française des Armées, Florence Parly. Dans le cadre de sa visite en France, le chef de l'État égyptien a aussi rencontré la maire de Paris, Anne Hidalgo, au siège de la mairie. Et avant de clôturer sa visite aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sissi doit s'entretenir avec le premier ministre français Jean Castex et également le président de l'Assemblée générale Gérard Larcher, le secrétaire général de l'Organisation de la coopération économique et du développement. Il doit aussi rencontrer un nombre d'hommes d'affaires de plusieurs sociétés françaises importantes travaillant en Égypte, et afin de savoir plus concernant les activités présidentielles et les rencontres du président Fattah el-Sissi à Paris, voici un commentaire signé Marwa Arafa et Shamsni. Toujours dans le cadre de sa visite en France, le président Abdel Fattah el-Sissi s'est entretenu au début de sa visite officielle en France avec le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian au siège du Quai d'Orsay.
Cet entretien était suivi d'un banquet de dîner offert en honneur du président Sisi. Le président a examiné avec M. Le Drian toutes les dimensions de coopération entre les deux pays ainsi que les opportunités disponibles pour les compagnies françaises désireuses d'investir en Égypte. Outre la hausse de l'échange commercial et la coordination des positions politiques des deux pays. Le président est accompagné dans sa visite à Paris du ministre des Affaires étrangères Samah Chokri, de la ministre de la Coopération internationale Dr Rania Al-Mashat, ainsi que du chef des services de renseignement Abbas Kemel. Également, le président Sisi s'était entretenu avec la ministre française des Armées Florence Parly. Au cours de l'entretien, le président a affirmé l'engagement de l'Égypte à consolider les relations militaires et sécuritaires ainsi que les programmes d'armement bilatéral, et ceci dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays à la lumière des défis qui sévissent dans la région du Moyen-Orient et de la Méditerranée orientale. De son côté, la ministre française des Armées a exprimé l'aspiration de son pays de consolider la coopération militaire bilatérale, la considérant comme le pilier de la stabilité et de la sécurité de la région. Le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que l'entretien portait sur les récents méga-projets nationaux mis en exécution en Égypte ainsi que les moyens de renforcer la coopération entre le Caire et Paris dans la période à venir, et ceci d'après l'entretien qu'a eu le président avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, au siège de la mairie. À cet égard, le président Sisi a affirmé que ces projets favorisent l'attrait d'investissements, surtout dans la construction de nouvelles villes, telles que la nouvelle ville administrative, et doit également promouvoir les relations déjà privilégiées, notamment dans les secteurs du tourisme et des antiquités. Pour sa part, Madame Hidalgo a salué la visite du président en France et a émis son espoir que les deux pays consolident leurs liens, et surtout au niveau culturel. Afin de mieux analyser l'importance de cette visite d'État du président Abdel Fattah Sisi à Paris, nous avons contacté par téléphone Dr Amr Saleh, professeur de Sciences Po et également d'économie. Bonjour Dr Amr Saleh. Bonjour, moi je suis professeur d'économie politique et conseiller de la Banque mondiale. Bonjour Mona. Bonjour docteur, et l'honneur, un grand honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui afin d'analyser l'importance de cette visite d'État du président Abdel Fattah Sisi à Paris. Comme on a vu, il y avait plusieurs volets à discuter. Pardon, et cette visite est considérée comme étant une visite importante pour les deux côtés, égyptiens et français. Selon vous, pourquoi cette fois-ci une visite pareille s'avère importante et les résultats attendus sont vraiment attendus avec impatience pour les deux côtés? Rebonjour Mona, cette visite a vraiment, comme vous l'avez dit, a une grande importance cette fois-ci, mis à part les relations profondes et, je dirais, stratégiques, anciennes, qui lient l'Égypte et la France. L'Égypte et la France qui ont beaucoup de choses en commun, l'Égypte et la France qui ont un patrimoine commun, un héritage commun, d'ailleurs. On disait toujours que l'Égypte avait écrit l'histoire et que la France avait lu l'histoire avec la découverte de Champollion. Et donc l'Égypte et la France sont liées à beaucoup de choses et un destin, je dirais, un destin commun. Et mis à part cette coopération très ancienne, actuellement, vous savez qu'il y a beaucoup de dangers qui se passent dans le monde et beaucoup de conflits qui se passent dans le monde et notamment dans la Méditerranée. Vous avez beaucoup de conflits dans la Méditerranée, dans la région méditerranéenne. Vous savez ce qui se passe avec la Turquie, l'ingérence turque en Libye, l'État syrien, le cas syrien. Vous avez aussi tentatives des frères musulmans de s'emparer de la Tunisie et de plusieurs pays arabes. Vous avez aussi l'Iran et le danger que l'Iran se pose pour la région du Golfe, mais vous avez aussi la sécurité dans la Méditerranée. La Méditerranée qui est un bassin commun
pour la France et pour l'Égypte. Et donc cette visite est consacrée, un volet de cette visite est consacré, comme vous le savez, à la sécurité dans la Méditerranée. Et l'Égypte au sud et la France au nord, avec leur destin commun, sont amenés et sont demandés à jouer un rôle primordial dans ce bassin, dans l'instauration d'une zone de paix au Proche-Orient et dans le bassin méditerranéen. Justement, docteur Amr Saleh, le président français Emmanuel Macron a tenu à préciser au cours de la conférence de presse conjointe avec le président Abdel Fattah el-Sisi que la France appuie les efforts de l'Égypte et appuie également la stabilité de l'Égypte face à la lutte contre le terrorisme et qu'il ne faut pas confondre toutes les cartes ensemble. C'est que les ventes, par exemple, ou la coopération militaire et de défense entre la France et l'Égypte n'est pas vraiment liée à d'autres conditions et que la souveraineté de l'Égypte en ce qui concerne les affaires internes est respectée. Comment voyez-vous une déclaration pareille qui vient pour la première fois couronner les efforts diplomatiques et politiques de l'Égypte sur la scène internationale concernant l'affirmation politique et également l'affirmation de la souveraineté égyptienne face aux défis accrus dans la région? Écoutez, Mona, je voudrais d'ailleurs saluer la sagesse et la complicité qui existe, et le destin commun qui existe entre la France et l'Égypte. Vous savez que la France a toujours cette politique, ce qu'on appelle la politique arabe de la France, oui. depuis Charles de Gaulle, qui s'est attendu avec Georges Pompidou, Jacques Chirac, et même François Mitterrand et le président Valéry Giscard d'Estaing qui vient de décéder il y a quelques jours. Et donc la France a une position spéciale par rapport à l'Europe et par rapport bien sûr aux États-Unis et au Royaume-Uni. La France est un partenaire de l'Égypte. La France avait toujours compris la vision égyptienne, et je salue les derniers propos du président François Macron concernant les caricatures qui avaient soulevé beaucoup d'encre dans le monde musulman. Oui. Il y a au cours de cette visite, Mona, une sagesse, une compréhension complète bilatérale entre les deux dirigeants, et encore je salue ce geste très courageux et très sage et qui intervient dans un temps crucial du président François Mitterrand. Et j'ai dit auparavant, Mona, que moi personnellement, on comprend la pression qui existe sur un président de la République, un président français en ce qui concerne le terrorisme, en ce qui concerne les attentats, en ce qui concerne le cas ou les échéances qui se passe en France, un président de la République français, il y a des pressions et qu'il y a un agenda et qu'il y a au moment où il y a des partis en France qui sont prêts à vendre la peau d'un président de la République lorsqu'il parle de l'islam et lorsqu'il parle du terrorisme. Donc nous comprenons, je comprends parfaitement et on comprend, et l'Égypte a compris, la classe politique a compris, le président a fait apparaître ici, a formellement compris les pressions qui existent sur le président François Macron et sur une partie de la France en ce qui concerne l'islam et le terrorisme. Et je crois que Mona, que l'Égypte et la France ont beaucoup à travailler ensemble en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Car il existe en France, vous savez, il existe en France une communauté musulmane française. Oui, c'est vrai. Il existe aussi un islam de France. Et cette communauté, avec tous les problèmes de l'intégration, il faut comprendre ça, il faut avoir vécu en France pour comprendre tous les problèmes de l'intégration de cette communauté française, musulmane, française, franco-musulmane, et avec tous les problèmes que cette communauté a, mais aussi il faut travailler ensemble, car, et ça c'est très important, car il existe des pays, il existe des partis qui prennent en otage cette communauté ou une partie de cette communauté avec tous les problèmes du Proche-Orient pour
détournés contre l'islam en Europe et non seulement en France. Docteur Amr Saleh, également, je voudrais aborder le côté économique de la visite et commerciale de la visite du président Abdel Fattah el-Sissi. Je voudrais savoir comment cette visite va-t-elle promouvoir les investissements français directs en Égypte et également comment cette visite va ouvrir les horizons pour une coopération plus étroite en ce qui concerne l'économie et la commerce. D'accord. Merci Mona pour cette question très importante. Vous savez que, d'abord, avant de parler de chiffres et des 170, 180 entreprises qui travaillent en Égypte et qui emploient à peu près 39 000 Égyptiens, je voudrais insister sur le fait que la France est un pays de culture, la France est un pays de patrimoine, la France est un pays d'héritage. Donc les Français et les investisseurs français, quand ils s'installent dans un pays comme en Égypte et dans certains pays, pas beaucoup de pays, mais comme en Égypte, comme au Liban par exemple, à cause du climat prospère et de cette ouverture qu'a caractérisé l'Égypte, les Français qui s'étaient installés en Égypte il y a 200 ans et qui s'installent toujours en Égypte sont venus pour s'installer et non seulement pour travailler dans le commerce et pour faire du profit. Donc je voudrais saluer cette communauté française qui travaille en Égypte et qui est très différente par rapport aux investisseurs étrangers. Donc vous avez à peu près 170 compagnies, entreprises qui travaillent en Égypte avec, qui emploient à peu près 40 000 ou 39 000 entreprises. Vous avez des entreprises françaises qui avaient participé très activement au développement de l'Égypte et notamment, on a notamment dans les premières infrastructures que l'Égypte avait connues dans le domaine des télécoms. Vous vous souvenez, le téléphone portable. C'est vrai, oui. En Égypte, dans les années 90, la France a été présente dans le premier métro underground metro au Caire. La France est présente dans les grands travaux, les grands travaux publics d'infrastructure de l'Égypte, que ce soit dans le domaine de l'électricité, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'enseignement. Oui, plusieurs domaines d'échange entre l'Égypte et la France, que ce soit sur le niveau politique, économique ou commercial. Je tiens à vous remercier, Dr Amr Saleh. Vous êtes professeur d'économie politique. Merci bien pour ces précisions. Et chers téléspectateurs, c'est avec ces explications de la part de notre interlocuteur, Dr Amr Saleh, nous arrivons au terme de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir.